Voilà, histoire d'immortaliser un petit peu ça, je viens d'enclencher là une petite vidéo. Voilà, les bonnes 113, 51, toi. Alors comme ça, t'es de passage parmi nous, là, ici, sur le sud-ouest. Ok, d'accord. D'accord, mais je croyais que c'était... ou alors, à moins que je me trompe de message là sur Internet, mais je croyais que c'était hier ou avant-hier que tu passais par là. Enregistre le brick. Ok, il y a eu un break, je vais pas le faire patienter plus longtemps, en avant le break. Ok, eh ben tout va, on vient deuxième du forum des ondes du routier. Voilà, donc les mains sont 13-51 Eric. Ah, Eric, c'est 14 Victor Eco 27, autrement dit 14 ODR 027. Voilà, les bonnes 113-51 Eric, je suis en compagnie de... ah bah tiens, ça y est, il y a un chat qui est passé par là qui m'a bouffé le prénom. Il est avec nous sur le forum et sur le groupe Facebook. Voilà, je retourne le micro. Voilà, 14 EDR 30 Christophe, 14 EDR 030 Christophe, voilà qui est avec nous. Ok, Christophe, c'est affirmatif, de ce matin, oui. Oui, oui, affirmatif. Salutations, Christophe, voilà. Merci, ouais, affirmatif, là je suis pas sur la station pour expédition, mais sur sur le DK. Hein. Ouais, affirmatif, là je suis sur Sainte-Colombe. Ouais, d'accord, il t'entends 54-55, hein. Ça marche bien, il n'y a pas de problème. Hein. Putain, tu m'arrives à Santiago de 5 aussi de mon côté. Bon, la radio est plutôt de 4, parce que bon, j'ai pas mal de QRM là ici sur le QTH. Bon, j'ai le micro. Samedi prochain, samedi 12, voilà, nous sommes tous une bande de copains à se retrouver là sur Radio Broc. Alors, Eric, voilà, j'ai regardé tout à l'heure sur Mappy. Donc, nous, on décollera là, tous ensemble, là, en convoi, là, du QRA, à 7h le matin, pour être à 8h à la station essence, là, aussitôt après le pont François de Mitterrand, de façon après te récupérer et aller jusqu'à Radio Broc. Donc, voilà pour les petites news. Et Christophe, si tu es des nôtres, il n'y a pas de problème, hein. Le midi, on fait tous ensemble une bouffe, enfin on va dans un flunch, hein, un truc comme ça, et puis en avant roule. Ok, pas de problème, moi je serai à l'écoute dans ces jours-là, à partir de 7h15, je serai à l'écoute, il n'y a pas de problème, sur la même fréquence, il n'y a pas de problème. Oui, on sera sur le canal 27, fréquence 27-275 en USB. Voilà, histoire de puisque pas mal d'OM ont pris le pli. Et le jour où le canal 27 va devenir un canal d'appel, ça va nous faire bizarre. Hein. Bon, c'est pas grave, on fera que le SY soit sur le canal 26 ou le canal 28, et puis voilà, c'est pas un problème, ça. Voilà. Donc, Christophe, je sais pas si tu seras dans le coin, là, samedi matin. Mais bon, il n'y a pas de souci, hein. On te comptera parmi nous, et puis voilà. Ouais,
alors si le cœur y est, pas de problème. Bon, Eric, on réserve une place pour le cœur de Christophe. Ouais, sortie Coutras en direction de Périgueux. Ah voilà, ok, ouais, comme je sais qu'il est à Mobile, ouais, ce matin, oui, c'était plus près, voilà. Donc là, c'est vrai que c'est pour ça, c'est un peu plus difficile, là, voilà. Il y en a une marre des Bordelais, il se barre. En tout cas, tu vois que Christophe, l'ambiance ici est la même que parmi nous là sur Internet. C'est ça le principal, c'est ça qu'on veut garder. Ok, c'est génial ça. Eric, tu dois arriver à l'entendre là en ce moment. Là. Je le tarde, je vais chez Robaton, là, il s'éloigne de moi. Là. Ah oui, mais bon, toi, t'es la tour de contrôle de la Gironde, tu es censé tout entendre. Ok, Eric, à tous les coups, là, il doit être à 3 watts 5. Hey, Eric, c'est 4 watts, 4 watts 5, hein. Et tu sais que, enfin, d'ici, je sais pas quand, mais normalement, on devrait être déjà à 12 watts, en principe. Je vois pas, ça a changé la réglementation.
Au niveau de l'Europe, elle est déjà changée au niveau de l'Europe. Pour la BLU, logiquement, c'est 12 watts. Puisque, regarde, le président Grant 2, il a été, il est vendu en 4 watts à MFN, 12 watts BLU. Normalement, là, ça devrait être fait, mais la France n'a toujours pas signé cet accord. C'est toujours pas passé au journal officiel. Voilà exactement dans les termes. C'est toujours pas passé au journal officiel. Ça fait des années que ça traîne, alors que ça aurait dû déjà être fait, quoi. Ce soir je bosse, on est à la bourre, et pourtant tu sais que quand la CB est arrivée en Europe, quand la CB est arrivée en Europe, on était les premiers, hein, quand même. Et puis tu vois là, depuis on s'est largement ramolli, quoi. C'est la faute aux anciens, hachis. Tu vois que là tout le monde va nous tomber dessus, là, sur le coup, là, en disant ça. Ah, Pascal, il peut toujours pas. Non, à moins qu'il gagne l'auto là aujourd'hui, mais c'est pas le cas, hélas. Mais bon, on m'a gardé de garder ça. Il y aura des surprises vendredi. Mais je bafouille, moi. Ça, c'est quand c'est le cerveau qui court plus vite que la parole, quoi. Ça finit par coincer au bout du compte. Mais vendredi, fin d'après-midi, par là, ou dans ces environs-là, ouais, je pense que tu devrais pouvoir commencer à tendre certaines oreilles. Moi, je dis ça, je dis rien. Après, on verra. Je sais pas trop où. Je pense plus peut-être du côté du canal 27, enfin 27-275, je pense. Ce fin d'après-midi, ouais, mon petit doigt me dirait que, ouais, je sais pas, à voir. Oui, Christophe, en avant. Eh bien, de mon côté, c'est du Radio 3, Santiago 3. Mais j'ai un petit passage, j'ai du QRM électrique, là, de mon côté. Dès qu'il fait beau, c'est un petit peu caca, moi, ici. La sortie coûtera, ouais, bah t'es pas très loin, quoi. Le problème, c'est que là où je suis, ben moi je suis dans un trou, et de ce côté-ci, effectivement, j'ai une colline là qui me bouche la vue. J'essaie de convaincre YL de déplacer la maison, mais elle veut pas, quoi. Dieu, putain, les bonnes femmes, c'est toujours bon à foutre la merde. Ah ben là je t'ai perdu ce coup-ci. J'ai 2 points de QRM, 3 points par moment, et t'es noyé dedans. Ah, c'est descendu d'un seul coup là de mon côté. Bon Eric, il doit plus t'entendre, j'imagine. Là de mon côté, c'est descendu d'un seul coup là. Ouais, Eric, ouais, c'est sûr, non, mais c'est sûr, t'as raison, et puis bon, t'as vu comment c'est chez moi, hein. Là, ça fait écran, moi, de son côté, là, ça, dès qu'il commence à tourner de ce côté-là, ça y est, c'est foutu, quoi. Et pourtant, je sais qu'il y a un ou deux OM, là, sur Coutras, j'y entends difficilement, quoi. Voilà, faut être en BLU, alors que c'est du local. Alors moi je dois être à, je sais plus si c'est 25 mètres ou autour de ça je crois,
Et le haut est à 80-90 mètres, un truc comme ça. Donc ça me fait un sacré mur. Hein. C'est plus haut que moi, parce que moi, par rapport au niveau de la mer, moi, je suis qu'à Caralte. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Je suis à. Oui, il est 49 mètres au niveau de la mer. Ouais, mais toi, Eric, de ton côté, on se croit en pleine bosse. C'est plat partout, tout autour. Oui, c'est plat, peut-être, mais quand je vais sur du côté du bassin, mais après, quand c'est de l'autre côté, c'est plus plat, hein. Ouais, là, je déconne. Enregistrez le break. Non, non, je déconne. Christophe, si tu m'entends, tu as 14 ODR 007, QRZ local, Chameau, opérateur Fleuron, là, qui vient d'arriver. En avant, Chameau. C'est du 45, radio 4, Santiago 5. Je peux pas te donner une radio de 5 puisque là tu es un peu décalé en fréquence. Voilà, c'est le poste il a dû refroidir depuis tout à l'heure. Ok, je retourne le micro sur Christophe pour voir si si t'entends Florent. Oui Florent. Putain, mais ça change pas, ça. J'ai beau changer de station, hachi. Si d'habitude, je suis sur le CRT, la 6009, avec la station pour expédition, plus ce qui va bien derrière pour favoriser la propague, hachi trois coups. Là, je suis sur le DK, donc j'ai moitié moins de puissance, là, pour le coup. Voilà, donc Florent, Christophe te retourne tout ça, à son grand regret, il ne t'entend pas, quoi. Ok, mais c'est un OM du forum là qui est en mille pattes de passage là sur le secteur. Il est sur l'autoroute, il est passé par Libourne et là il remonte là du côté de Coutras et il continue sa route. Voilà, il est venu livrer là dans le coin. Là ça devient difficile. Ok, là ça devient difficile Florent, là j'ai du mal à t'entendre, là t'es pas mal parti là en fréquence. Et comme tu roules, du coup ça aide pas trop. Je fais un retour de micro sur Christophe avant qu'on le perde carrément, à moins que ce soit déjà trop tard. À toi Christophe. Ok, c'était très compliqué là sur la fin. Effectivement, je te repasse le micro juste à temps. Les bonnes sont 13:51 à toi, bonne route, et à bientôt, à bientôt sur les ondes ou sur la vidéo, car je sais pas, j'ai essayé quelle heure. Il est 14h15, 10. Ouais, peut-être que si ça veut bien galoper assez vite pour retravailler la vidéo, tu la verras ce soir. Sinon, de toute façon, tu l'auras demain après-midi, ça c'est sûr. Ok, bonne route à toi Christophe, à très bientôt. Essaie de crier un peu plus fort, que tu te pètes les cordes vocales. Ok, les bonnes.
73, Christophe. Ah, j'ai bien senti que tu faisais tout ce que tu pouvais là pour arriver à passer, mais là, ça y est, c'est foutu. Quoi. Retour, Eric. Ok, salut, Christophe. Je sais pas si on a le temps, mais ça m'étonnerait, mais au cas où, je lui envoie les bonnes invités. Salut à Chavo aussi. Et Chavo, là, je sais pas, c'est comme le jeu de c'est 0-0, mais pas le 7, là. Le Santiago et le signal et la radio, je l'entends pas. Eh ouais, Chemou, là, il est sur la route, là, de ce côté, peut-être même encore plus loin. Tu es où, là, Chemou, en ce moment? Ok, Eric, putain, mais c'est short hein, pour te sortir. Hein. Eric, si tu regardes sur une carte, il est du côté de Flaujac, dans les environs, là-bas, là, de limite, ben, c'est limite Dordogne, hein, de toute façon. Et, voilà, il doit être en train de se promener, je sais pas. Il est en vacances, en tout cas. Donc, il est en vacances, donc on l'entend plus, là, pour le coup. Quoi. C'est les vacances à tout niveau, quoi. Ah, pour moi, c'est mieux, hein, c'est un peu plus confortable. Chameau, est-ce que tu arrives à mieux sortir, Eric? Ah, ouais, non, mais là, je me rends compte plus. Là, je suis à 0,7 km de Gilac. Voilà, à peu près le de Gilac. Là, j'ai tourné un peu, voilà, je le vois un peu vague. Ok, bon, il est toujours dans les environs de Flaujac, il roule. Il est en train de rouler, et puis bon, c'est vrai que vu que son antenne est fixée sur le côté, sur la gouttière, c'est pas top, quoi. Suivant comment il est tourné, ben, un coup je t'attrape, un coup je t'attrape pas, quoi. Ah, il est en cache, c'est ça. Ok. Ouais, en gros, c'est ça, quoi. Il est quelle heure? 14h15. Bon, allez, ok. Je vais passer QRT. Hop là. Je vais passer QRT et peut-être à tout à l'heure sur la route, Eric. Comme d'habitude, 16h50, je décolle de QRA pour être pour 18h au pro, là où tu sais. Et jeudi, par contre, je suis en journée à l'autre bout, là-bas, là où tu m'as eu, là, le par où tu m'as eu le dernier coup, là. Voilà, donc ce soir en nuit, après-demain en journée. Allez, bim, prends-toi ça, quoi. Allez, je passe QRT, les bonnes sont 13, merci à vous tous, et à bientôt. Ok, merci à vous deux, bye.